On est donc avec Fouad Chafik au stade Audibert. Début de semaine compliqué hein, pour le FC Istres avec un nul pas forcément mérité, un changement de coach précipité. Comment vous vivez la situation ? Ben, on est un peu déçu par le renvoi du coach, mais bon après c'est les aléas du football. Donc faudra tout mettre en œuvre pour gagner vendredi. Il faut faire face et faut assumer nous joueurs parce qu'on est responsables aussi. Je pense qu'on a une équipe unie et on va faire le grand chose la semaine qui vient. Le changement de coach, est-ce que ça change la donne à ce moment du championnat ? Si on prend Ligue 2 ces derniers temps, les chocs psychologiques ont plutôt eu lieu, on va dire, avec Garcia ou comme à Laval. Face à Arles, la semaine dernière, vous avez mené deux fois au score avant d'être repris. Qu'est-ce qui manque au FC Istres pour s'imposer ? Est-ce que vous pouvez encore avoir le déclic ? On n'a pas agressé sur le terrain et il n'y a pas la confiance. On va essayer de réitérer cette performance en faisant un meilleur match, en étant présent dans les duels, plus agressif. Les déclics, il faut les faire en début de saison, il ne faut pas les faire à 9 matchs de la fin. Maintenant, il faut avoir un état d'esprit guerrier. Votre prochain adversaire, Niort, ils sont en pleine remontée depuis le début 2014. Comment est-ce qu'il va falloir aborder ce match ? C'est vrai qu'ils sont en pleine bourre, là, ils sont même sur le podium, ils sont 3e. Niort, c'est l'équipe surprise. C'est une équipe qui joue relâchée. Et c'est une équipe qui joue bien. Bah, nous aussi, on va essayer de les contrer pour prendre 3 points parce qu'on joue chez nous. Et le pronostic ? 2-0, je pense. Une victoire 1-0, ça suffit. 1-0. De qui ? But de Damien Perrinel sur corner. Super. C'est précis. Hein. Merci beaucoup.